Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 juillet et ce matin les marchés reviennent un petit peu en arrière, des replis de l'ordre de 0,5-0,7%, 0,54 actuellement de baisse sur le DAX, 0,78 sur le CAC qui est à 4994 points, des replis donc dans le sillage des marchés américains qui ont terminé en repli de 1% pour l'S&P 500, 0,86 pour le Nasdaq et moins 1,5 pour le Dow Jones. Donc toujours lié à la situation sanitaire mondiale, et c'est ce que nous on appelle la force de rappel. C'est ce qu'on a depuis le début de la semaine, malgré une ouverture en nette hausse lundi et un gap et une ouverture à proximité des 5100. On voit bien que le relais est loin d'être évident, que la hausse reste laborieuse. On a des retracements, ce qui rend le trading actuellement très sympathique, hein. Depuis le début de la semaine, on a pu accumuler un grand nombre d'écarts. Encore ce matin, nous, on proposait à nos abonnés dès 8 heures d'acheter sur 83 sur le CAC. Donc, au plus bas, on a fait 81. On est remonté depuis à 5005. Donc, on a eu la possibilité de faire un petit écart déjà, hein. Donc, c'est le petit cadeau du matin. On peut se replacer sur cette zone de 5083 pour exploiter un double appui. En dessous, c'est 4965, la zone d'achat, et on va considérer que tant qu'on est au-dessus de 4900, les 40, 50, les probabilités de rebondir restent importantes. Hier, on a accumulé un bon nombre d'écarts. Moi, j'ai très bien travaillé hier avec un achat pour commencer, bon, dans la zone des 15-20, revendu à 43, racheté là, et jusqu'à revendre le soir à 43, en étant, bon, c'est un petit peu entêté, mais revendu à 5043 le soir. Et donc, profitant derrière du repli. Alors, on travaille à l'achat, hein, donc on profite du repli pour acheter dans des meilleures conditions, donc pour optimiser notre prix d'entrée. Une belle volatilité intraday, une belle volatilité implicite aussi, qui est toujours autour de 25-26. Et là, sur des achats que j'ai faits, je suis placé vers 20, 18 ou 23, je ne sais plus exactement. Donc pour réaliser un écart un petit peu plus important. Sur le DAX, bon, en temps réel, sur le trade du jour, on indiquait que 12 470 là, était une zone d'achat. Un peu l'équivalent du 4983 sur le CAC, c'était à 12 470 sur le DAX. Donc déjà, bon rebond, donc possibilité de faire un bel écart. Là, on est sur une résistance, hein, 12 560, donc on est sur une zone d'allègement. Ensuite, on a la zone des 580 jusqu'à, pourquoi pas, 630-40. Pour un écart plus important. L'eurodoll reste assez sage en ce moment. On a quelques phases d'accélération, comme ce que nous avons eu lundi notamment, puis derrière des séances de calme. Hier, ça a été assez calme. Donc, on cherche à acheter sur des replis. La tendance de fond reste toujours haussière. Des achats, donc, bon, notamment dans la zone des 1,12, 40, 50 pour ce début de séance, et puis on verra pour remonter. Le niveau d'achat, si besoin, mais pour l'instant, il y a aucune raison de se précipiter. Sur les actions, il n'y a pas énormément de news ce matin. On a Figeac qui a sorti ses chiffres, Air Liquide qui a signé un contrat, un gros contrat aussi pour Technip, qui est d'ailleurs la plus forte hausse. Vous voyez, Technip 2,28 de hausse, qui a signé un contrat d'1 milliard. Bon, ça n'a pas non plus un effet monstrueux, hein, parce que 2%, c'est pas beaucoup, mais c'est la plus forte hausse, beaucoup de régularité sur les valeurs, donc ce qui va toujours dans le sens d'un marché très très arbitré. On peut considérer que 80% du volume quotidien, en volume qui reste faible, hein, mais 80% des transactions, c'est des algos et notamment de l'arbitrage. En baisse ce matin, on a Publicis, Unibail, des baisses de 2%, c'est pas bien méchant non plus. Renault, donc toujours. Et il suffit de regarder Renault, on la voit bien, l'alternance hausse-baisse, hein, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse. Et sur le fond, eh bien, les marchés font pas grand-chose depuis mi-juin, depuis quasiment un mois. Il suffit de regarder le CAC, hein, c'est pareil. On a eu une sortie par le haut, donc en début de semaine, pas de relais derrière. Et nous, conformément à notre plan principal, hein, les marchés évoluent entre 4 500 et 5 000 la plupart du temps. Allez, 4 700, 5 200 si on veut. Remonter un petit peu cette zone-là. Donc, pour l'instant, on est toujours dans cette situation où on travaille principalement à l'achat sur les indices, en accumulant des écarts principalement, et puis en vendant de la vol. Moi, c'est ce que je fais. Je travaille comme ça, vente de vol, notamment des ventes de call. Et ça marche très, très bien. Les grosses pondérations évoluent en ordre dispersé. On a Sanofi qui est à l'équilibre, et Total, Airbus, BNP en petit repli.
Bon, c'est pas bien méchant. Dans les screeners volume, on va commencer par le 1/8e. Valbiotis, il y a une news concernant Valbiotis, MND, Nakon, Abessian, Guillemot, Devoteam. Bon, technique, on la retrouve là. Drandvol, Big Ben. Ah, Séché qui monte un petit peu. C'est une valeur proposée, donc qu'on a proposée sur le trade du jour en début de semaine. Donc, allez, enfin une qui confirme, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on tentait des choses, mais ça allait un peu nulle part. Alors, pas de problème, hein, mais pas de relais, donc c'est assez frustrant. Avec de l'intérêt toujours pareil et ciblé beaucoup sur l'indice. Et donc un mois de juin, début juillet, un peu calme sur les mid et small. Mais bon, généralement, le mois de juillet, c'est plutôt pas mal. Et ça se calme derrière au mois d'août. Donc on va voir si cette année, il en est de même. Allez, je vous laisse. Bon, bah, je vous souhaite une bonne séance. Des trading live demain. Donc il n'y aura pas de pambourse. Si vous voulez participer à donc. À cette démonstration de trading en ligne, vous êtes les bienvenus, c'est sur inscription, possibilité de vous inscrire jusqu'à ce soir. Donc des trading live de 8h45 à midi, si vous souhaitez donc bah, réaliser les mêmes écarts que nous en ce moment, c'est plutôt bien. Allez, bonne séance à demain. Eh bien non, à vendredi, je vais y arriver.